Eh ben, bonjour à tous, nous sommes au rond-point des Tempes, rue des Lys. Et je vais faire une petite vidéo. Voilà, et je vais mettre une musique. Donc aujourd'hui, nous venons soutenir Christophe Détinger. Voilà, donc je vais vous mettre une musique, ça dure une minute. Mais. Ça va bien avec ce qu'a fait Christophe Détinger, je le rappelle, il a défendu une jeune femme sur le pont en face du musée d'Orsay. Voilà. Et ça lui a causé beaucoup de tracas. Voilà. Donc, je vais vous mettre la musique. Et après, on va aller se rapprocher des gilets jaunes. Ses amis, je ne connaissais pas. Ils étaient mon pays, le tien, je crois. Ils resteront Paris, Paris se souviendra. Toujours de ses amis, la lumière brillera. À l'innocent qu'on tue est tombé sous les balles. Aux soldats inconnus, sous l'horreur des mitrailles. Ce sont les lettres mortes, les cantiques du chagrin. Puisque frappe à la porte les plaines de Verdun, s'ils sont tombés sous. Voilà, allez voir cette chanson en entier, je vous ai mis juste une petite minute. Les enfants du paradis, Damien 16, voilà. Donc, j'aime bien cette version avec cette jeune fille qui participe à un concours, voilà. Bien, c'est la nature, ça change un peu de Paris. Bonjour, et ben donc la chanson c'est Damien 16, Les Enfants du Paradis, et je remercie Brice Lardonnais qui m'a envoyé un message en me disant, et je l'ai écouté, ça m'a mis la larme à l'œil, et ben j'espère que ça fera pareil. Voilà, et ben donc nous sommes au rond-point avec Christophe. Bonjour. Bonjour les camarades. Et ben ça fait plaisir. Oui, bah merci, merci à vous d'être, de vous être regroupés pour cette journée, voilà quoi. C'est ça. C'est sympa. Alors, fais voir un t-shirt alors. Moi, je t'ai pris un t-shirt. Vas-y. Le noir, ça ressort bien, le jaune dessus. Voilà. Mais après, s'il y en a qui, il n'y a pas un site ou quelque chose. Si, il faut aller voilà. Sur. Attends, on montre déjà. Voilà. Il faut aller sur yaplika.org ou sur Facebook yaplika. Il y a une adresse mail yaplika proton mail, mais bon, c'est marqué sur le site. Ouais. Et voilà, quoi, il y a un échange, des échanges, et puis les t-shirts peuvent être commander, livrer ou donner de main à main sur Paris. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Donc bon, là on arrive sur la fin de la série, mais bon, dans quelques semaines. Voilà, parce que là c'est ça, t'as presque plus de taille là. Voilà. Bonjour. On va reproduire, on va reproduire parce que bon, il y a une petite demande quand même. C'est ça. C'est gentil. Mais merci de ce soutien. Ok. Bon, bah moi, si je suis pas tellement. C'est le minimum qu'on peut faire. Non, mais c'est toujours tu mérites. C'est toujours surprenant, agréable. On va le redire parce que moi j'ai mis la chanson. J'ai dit un mot. C'est une fille que t'as défendue sur ce pont là, le fameux pont. Femmes, ouais. Hein, voilà. C'est avéré que c'était une fille. Maintenant,
Là, voilà, moi, ce jour-là, il y a eu un matraquage, il y a eu du gazage. C'est ça. On s'est fait malmener par notre police. Par notre police. Et une personne vêtue de rouge était au sol. Donc, je savais très bien que c'était pas un policier. C'est ça. Et voilà, quoi, j'ai eu un coup de matraque, un coup de pied sur elle. Sur elle, donc, c'était une femme, c'est bien ça, c'était une femme. Donc, j'ai retiré ces policiers. Voilà, je l'ai retiré et puis après il a pris la même correction qu'il avait donnée. Voilà. C'est ça. Parce que lui il était protégé. Mais lui il est protégé, lui. Voilà. C'est ça. Non, parce qu'il faut le rappeler. Parce que tu sais, des gens. Lui, ce qu'il me prend, c'est 45 000 euros de dommages et intérêts. Moi j'ai vu de loin. Alors que ça, encore le 1er mai, là j'ai vu des jeunes avec le crâne ouvert et tout. Ah oui, hein. Pas mal. J'ai vu. J'y étais. Voilà, donc. Par contre là, eux, il n'y a pas de dédommage et rien du tout. Voilà. Et les yeux crevés. Ils ont la force légitime. C'est ça. Nous, c'est illégitime, nous. C'est ça. Voilà. Donc, il faut tenir. Ça fait mal au cœur, tout ça. Moi, ça fait mal au cœur. Hein. Des fois, il faut s'oxygéner, aller voir ailleurs, voir un peu de la nature, voir de la campagne. Mais parce que la justice. Les gens, au bout de 5 ans, c'est dur, c'est long quand même, hein, nous, hein, quand le combat comme ça. Hein. Ah, bah oui, le combat est long, mais déjà, c'est du temps long. Hein. C'est ça. Du temps long, eux, ça fait longtemps que leur rouage il est en place. Leur système il est en place. C'est ça. Et c'est du temps long, solidaire qu'il va falloir avoir les uns les autres. C'est ça. Il faut qu'on arrête de se disperser. Se disperser avec nos égos individuels et puis nos trucs à nous. On a un ennemi, c'est lui. C'est ça. C'est ce système qu'il faut. On ne changera pas, tout, mais il faut le modifier. C'est ça. Il faut le modifier pour qu'il y ait un respect quand même. C'est ça. Des petits gens comme nous, descendants des dieux, les cils, les sorts. Donc il faut qu'on arrive à. Voilà, qu'il y ait un respect, qu'on se lève le matin, qu'on rentre chez soi, qu'on va travailler, qu'on survive. C'est ça. Avec ce qu'on gagne. Tout le monde aimerait vivre. Mais si tout le monde était respecté, mais les gens iraient d'eux-mêmes. On ne meurt pas avec notre argent. Les gens ils dépenseraient leur argent parce que. Mais aujourd'hui, on survit. On est bloqué de tout. Tout coûte cher et le truc qu'il y a c'est que nous aujourd'hui ce gouvernement on les voit tout dépenser. C'est on ça. Les voit se servir de notre fric mais facilement. Non, puis ils le montrent en plus, ils veulent nous énerver tout le temps. Ils veulent nous énerver on dirait. Même le fric qu'ils n'ont pas parce que c'est nous la dette qu'ils reprendront ou nos enfants ou nos petits-enfants qui rembourseront. Eux ils sont planqués. Et ils ont même dit qu'ils avaient perdu de l'argent à l'Europe ou le Monsieur le maire, là, je sais pas quoi, il a perdu 10 milliards. Le maire. Moi, j'ai pas les chiffres, mais j'ai entendu. C'est ça. Donc, je vais pas dire n'importe quoi. Mais ils font n'importe quoi avec la sueur de tous les citoyens français. Mais on dirait qu'ils prennent leurs pieds à nous faire souffrir, en fait. À dire des conneries. Hein, on fait pas grand chose. Pour tout ce qu'ils nous font, ouais. On est vraiment des moutons. C'est ça. On a du mal à se mettre d'accord, de se mettre ensemble. On s'engueule pour 10 sujets alors qu'il n'y en a qu'un qui est important. Bah absolument. C'est ça. Ah oui, c'est ça. On a un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est... Le Maghreb, c'est de bousiller cette tête. C'est de virer la tête. Ouais, et puis tous les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. Mais c'est pour ça que... La justice... Pour ça qu'il y avait des choses qui étaient dites dans le début du mouvement. Que, la fille... Il faut des trucs révocables, que si ça va pas, tu dégages. En aucun cas, tu restes 5 ans au pouvoir Mais moi, je crois qu'il y en a. Pognon. Il y en a de plus en plus qui nous le disent, mais moi, à mon avis, j'y crois ça. Que tu sais, il y a des pouvoirs, les grosses banques et tout ça. Oui, Macron, c'est un pantin quelque part. Hein. C'est un pantin. Oui, c'est vrai. Et on le sait. Il fait bien son job. Voilà, mais après, des fois, tu peux le virer celui-là et mettre un autre qui, ça sera encore la même chose. Oui, il rebelote et rebelote. Il faut changer le système. Il faut changer le système. C'est ça. Il faut instaurer le truc révocable. Tu fais pas l'affaire, tu dégages. C'est ça. Ils ont tous des plaintes à leur cul et. Tout va bien pour eux. C'est ça. La justice pour eux, tout pour eux, ceux qui gèrent tout. Et ça, c'est pas normal. Donc, Comme dit Ricci, il a raison, c'est pas les députés qui ont fait la révolution, hein. C'est le peuple. Hein. C'est ça. C'est la petite. Dans tout le truc, toute la lutte qu'il y a pu y avoir, c'est que des petits groupes de résistants.
et tout, c'est pas tout le monde. Donc, c'est ça. Donc c'est notre ça. Combat, faut le continuer, notre lutte, faut la continuer. Absolument. Faut essayer de juste. C'est compliqué. Faut juste essayer de rassembler les gens parce que bon, ça se disperse. Ouais, ouais, mais... Je dis toujours, quand t'es dans la danse, mais moi je dis toujours, j'ai fait du rugby. Au rugby, on dit toujours, tu oublies les fondamentaux et t'es dégagé. Hein. Oui, c'est simple. Hein. Oui. C'est simple. À la boxe aussi, alors. Si tu oublies le fondamental, t'en prends une. Et... Voilà, voilà. Bon, eh ben, on va casser la croûte. On va manger le petit barbecue. Allez, ben, merci Christophe.